C'était une belle journée d'été, et nous étions en route pour une nouvelle découverte. Direction la Haute-Vallée de la Loire, où un parcours un peu spécial a été mis en place par la Fédération et les APPMA locales. En effet, une maille de capture fenêtrée, entre 25 et 35 cm, a été mise en place sur une longue portion du fleuve. Une initiative novatrice qui méritait d'être mise en lumière. Allez, maintenant c'est parti pour la découverte. On va pêcher aujourd'hui, on va faire une bonne journée de pêche dans différents coins, différents parcours sur ce parcours passion sur le fleuve Loire. Donc ça va être vraiment sympa. Je pense qu'on va essayer différentes techniques. On aura un petit peu de pêche à la mouche, un petit peu de pêche au leurre. Ça va être sympa. Une journée un peu couverte. Espérons que ça reste comme ça. On croise les doigts et on croise les doigts pour voir du poisson. Allez, go! Allez, on vient juste d'arriver sur un secteur un petit peu gorge ici, donc sur la Loire. Alors on a beau grand soleil, là ça commence à se découvrir un petit peu, on va espérer que ça reste un petit peu couvert. On a trois techniques aujourd'hui, pêche au leurre, pêche à la nymphe et pêche en sèche plutôt. Donc les trois techniques c'est super top. On va essayer de voir s'il y a quelques gobages, on va pêcher au leurre aussi dans le même temps et puis espérons voir ces belles truites de la Loire. Ça va être vraiment sympa de voir quelques truites aujourd'hui. Donc, allez, on va s'y mettre. Allez, cette fois, ça va être la pêche toute l'après-midi là. Yes, super poisson. Cool, elle est vraiment pas vilaine en plus.
La Loire, ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est une rivière absolument magnifique, avec beaucoup de diversité, donc pas mal de courants, pas mal de places, qui permet d'afficher toutes les techniques à peu près. C'est un coin qui est vraiment très sauvage, et c'est ce qu'on recherche nous aussi à la pêche à la truite, c'est être au milieu de nulle part. Allez, on va continuer un petit peu pour faire le coup du soir, et on va essayer de faire un petit peu plus de truites pour vous montrer ces belles truites de la Loire. Allez, c'est parti. On va pas se mentir, il aura fallu de la persévérance pour déclencher quelques touches, les poissons étant visiblement complètement rassasiés après une crue. C'est Sylvain, en toc-nymphe, qui aura le plus de succès avec une belle truite en fin de saison. Super poisson! Allez, c'est la fin de cette super journée de pêche au bord de la haute vallée de la Loire. C'était vraiment cool, super découverte pour nous, on connaissait pas du tout les endroits là, donc c'était vraiment sympa. Petite journée de pêche l'après-midi en compagnie de Yann de la Fédération et de Sylvain qui nous a montré la technique du toc-nymphe qui était vraiment super intéressant. On connaissait pas du tout cette technique et finalement c'est lui qui s'en est sorti le mieux avec hors caméra. Il a fait un super ombre et une belle truite à la fin, donc magnifique, vraiment des super beaux poissons qui a bien profité, donc ça c'est cool. Vraiment super belle journée, j'espère que vous avez apprécié la découverte et puis la découverte de ce parcours là de la haute vallée de la Loire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ça sur le site de la Fédération, on mettra des liens dans la description. Merci et à la prochaine. Allez, ciao.